assalamu alaykum mbokki internet yi mbokki kolda mbokki senegal wa diaspora ku nek ñing lay nuyu ci sa tour ak sa sante comme niñ ko yag diklé ak yeen rek nenañ len sa yu lu am solo amé fi lay amé ci focus télévision ba taxna tay alhamis ñaar fukki fan ak ñent ci wéru novembre tay wa presse bi lekkolo ak ñi nga xamné ñoy tak der yi fasiyene def ay opération yu am solo ci goudi tay gi ba taxna rek dañ len di top tay buñu ñëwaaté inshallah légui ñu am ci len gëna leer Voilà, chers internautes, il est exactement 21h30 ici à Kolda et nous sommes au rond-point de la gendarmerie. Comme nous l'avons dit, nous avons vu que nous avons vu que nous avons commissaire Malik ak ay ndawam ñu wacc biir Kolda rek pour fasiyene def ben patrouille bo xamné patrouille de sécurité bi nga xamné ça a été commandé au niveau national ba nga xamné tay rek ni lañ ko nara fasiyene def ak yeen def ay patrouille yo xamné and ci ak wa gendarmerie and ci ak sapeur yi and ci ak kep ko xamné rek tak der nga biir Kolda tay presse bi and ak commissaire Malik Dien ak ay ndawam fi biir Kolda ñu topal len ko ba ci kanam mbokki internet yi comme niñ len ko waxé sank ba légui nous sommes à quelques minutes de 22h ñi ngi fi ci pont Sintian Idrissa bi nga xamné mo séparé Sintian Idrissa ak Sarikemo comme niñ len ko waxé rek sank ba légui ñi ngi and ak takder yi wu nar fasiyene wër fep biir commune Kolda rek pour saytu li nga xamné lepp luy auto lepp luy nit pour xol sécurité bi naka la fi démé ñu and ba légui rek ak commissaire Malik Dien ak ay ndawam ñu ñëw ak yeen ba ci kanam Merci. Je crois que nous avons été ensemble sur le terrain. Vous avez pu observer de vous-même l'importance que revêt ce genre d'opération mixte entre la police et la gendarmerie.
D'abord, ça transmet un message à l'endroit de nos concitoyens pour leur dire que la police et la gendarmerie sont... Nous sommes des frères, hein? Nous sommes des frères d'armes, comme on le dit dans notre jargon. Nous avons la même mission, qui est d'être à leur service. La seule chose qui pourrait nous différencier, c'est la couleur de nos tenues. Ça, c'est d'abord un message que nous lançons à l'endroit de nos concitoyens. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est marquer notre présence quand même. Même si de jour comme de nuit, la police et la gendarmerie sont là, sont en train de faire le travail qu'il faut. Mais quand même, il est bon des fois, hein, que l'on s'associe, que l'on opère ensemble. Et tout ça contribue quand même à renforcer le climat de sécurité, le sentiment de sécurité, et éloigne aussi le sentiment d'insécurité qui a tendance à s'installer au sein de notre communauté. Voilà l'importance que revêt cette mission aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est sur instruction de nos différentes RH, le Comgen et le DGPN, sous la houlette du ministère de l'Intérieur. En tout cas, nous en réjouissons. Et aujourd'hui, nous avons pu quand même constater ensemble qu'il nous faut mutualiser nos forces. Car une force prise individuellement ne peut pas assurer convenablement la sécurité des Coldois. La gendarmerie et la police et toutes les autres FDS, l'armée, la douane, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts. En tout cas, nous travaillons ensemble pour quand même vraiment instaurer le bon ordre, la quiétude à Kolda. En tout cas, pour le résultat d'aujourd'hui, nous avons eu à interpeller 25 personnes, dont 4 dames, et 2 aussi pour trafic illicite de bois, hein, que nous avons interpellé sur la route de l'aéroport. Nous avons aussi interpellé une personne pour nécessité d'enquête. Nous avons eu aussi à immobiliser 15 motos et saisi 27 pièces. Et nous avons aussi saisi 6 machines à soute. Voilà le résultat que nous avons enregistré aujourd'hui en attendant quand même de continuer les opérations. Pour ce qui est de la personne qui est interpellée pour nécessité d'enquête, nous sommes dans une procédure qui date depuis 15 jours. Cette personne quand même ressemble à la personne incriminée qui se trouve dans la vidéosurveillance que nous allons exploiter demain pour voir si effectivement c'est la même personne pour pouvoir boucler notre enquête. Bon, comme c'est une affaire qui est en cours, voilà, nous préférons garder le silence en attendant que voilà, les résultats ne tombent. Voilà, comme vous le savez, hein, je crois que le décor parle de lui-même. C'est dire que la sécurité est devenue une affaire de tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de dire que ma sécurité, c'est d'abord de ma responsabilité. Si chacun joue son rôle, si chacun apporte sa pierre à l'édifice, quand même, nous pourrons assurer la sécurité. Comme je l'ai dit tantôt, la police prise individuellement ne peut pas arriver à bout du phénomène d'insécurité. La gendarmerie aussi, prise individuellement, ne peut pas à elle seule assurer convenablement la sécurité de nos concitoyens. C'est ce que nos chefs ont compris et ils nous ont instruits ensemble de collaborer, de mutualiser nos forces pour d'abord, comme je l'ai dit tantôt, envoyer un message fort à l'endroit des populations pour leur dire que nous, police, nous, gendarmerie, nous sommes ensemble pour assurer votre sécurité. Maintenant, ce que nous attendons de la part de la population, c'est leur collaboration. Parce que aussi, même si nous avons 1 million de gens, moi j'ai l'habitude de le dire, même si nous mettons un gendarme, un policier devant chaque maison à Kolda, et que les habitants ou bien les occupants de cette maison ne collaborent pas, ne coopèrent pas, il sera très difficile à la gendarmerie et à la police de faire correctement leur travail. Nous sommes conscients de cela. Et nos chefs aussi sont conscients de cela. C'est ce pourquoi vous voyez maintenant, et depuis fort longtemps d'ailleurs, théoriser le concept de police de proximité. Quand on dit police de proximité, parce que ça concerne aussi la gendarmerie, parce que la gendarmerie aussi a une mission de police. Alors, la sécurité publique quand même, c'est l'affaire d'abord des citoyens
qui doivent tendre la main aux forces de l'ordre et de sécurité, aux forces de défense et de sécurité, et qu'ensemble, quand même, nous puissions arriver à bout de ce phénomène qui est l'insécurité.